m'appelle Erhard Stiefel. Je suis créateur de masques ou sculpteur de masques. Comment faire pour que le masque soit vraiment bien? Parce que moi, je me rappelle au début, quand je commence à faire des masques, effectivement, sur 10 masques, il y avait 2 qui étaient jouables. Et les 8 autres, c'était esthétiquement bien, mais ça voulait rien dire sur une scène, par exemple, c'était pas lisible. Souvent, un masque le plus simple, à la limite, peut exprimer le plus qu'un masque compliqué. Ça se voit immédiatement. Hein. Il faut déjà savoir qui va porter le masque, par exemple. Et si c'est un masque que je crée, donc je moule la tête du comédien carrément pour avoir vraiment ses mesures, parce que c'est lui qui va le porter. Une fois que j'ai moulé sa tête, donc je fais mon esquisse en pâte à modeler sur cette tête de plâtre, sur laquelle je retravaille encore dessus pour que vraiment je nettoie complètement l'expression, pour que j'arrive à donner l'image que je désire. À partir de là, je choisis quelle matière je veux employer. Je l'exécute en bois ou alors, effectivement, en cuir. Donc je suis obligé de faire une forme positive où je mets le cuir dessus. Le cuir, déjà, c'est un cuir qui est relativement épais, quand même. C'est un cuir assez rigide. Et donc, on amollit avec l'humidité à un moment donné. Mais à un moment donné, il faut quand même que les fibres, chacun, reprenne ses places comme on en désire. Et ça, c'est souvent un tour de force. Et c'est même difficile parce que le cuir, évidemment, il résiste beaucoup. Il y a des nerfs dedans qui sont en travers. C'est pas le cuir, c'est de matière vivante, donc ça ne s'applique pas facilement. Il m'arrive à passer 3 jours dessus, vraiment, mais vraiment des grandes journées, jusqu'à j'ai seulement la forme. Hein. Et après, la finition, ce n'est pas du tout fait encore. Hein. Donc après, il faut le finir, Donc ça, moi, ça me prend vraiment une semaine complète pour faire un masque en cuir. J'ai été obligé de retrouver ou recréer des techniques qui s'est perdues. Par exemple, le masque de cuir, personne ne savait, en tout cas en France, comment faire un masque en cuir depuis 200 ans. Moi, j'ai appris un petit peu en regardant les autres travailler, soit le bois, soit même le cuir ou le tissu. Donc c'est dans ce métier, il y a plusieurs métiers, donc je tâtonnais un petit peu à droite à gauche et je trouvais le geste. Par exemple, j'ai un bijoutier ou j'ai un luthier, donc on a des gestes un peu analogues. Je travaille effectivement avec le bois, le cuir, le tissu. Pour les Japonais, donc je prends les bois d'origine qui viennent du Japon. C'est des bois de kiri, il y a du hinoki, qui est un cèdre japonais. Et alors, je fais vraiment chaque fois le masque dans l'essence du bois même. Et je me suis rendu compte que c'est toujours le mieux. Il faut être un petit peu têtu parce que ça prend énormément de temps. Hein, c'est ça qui... Donc c'est peut-être ça, il ne faut pas se décourager, en tout cas. Pour, ça ne se fait pas dans une journée, ni rapidement. Mais surtout, il faut avoir aussi les yeux ouverts sur tous les autres arts.
le théâtre japonais. Ils ont compris depuis plusieurs siècles déjà qu'un masque, c'est une œuvre d'art et on peut comprendre l'homme à travers des masques. Et il a une espèce de jeu de vérité, ce qui est curieux parce que bon, un masque, c'est quelque chose de faux qu'on met sur son visage, à la limite, et il faut être vrai. La frontière entre artiste et artisan, ça c'est quand même toujours le grand problème. C'est presque un dilemme. Moi je suis les deux, hein, mais dans le sens noble du terme, un artisan, c'est très beau. Hein, mais je dirais prétentieusement, j'ai l'impression un peu artiste.